Bonjour. Bonjour. Choix d'inflexion qui n'a rien à voir avec cette vidéo. Chronicles de Couchette, le retour. Ça faisait un moment. Oui. Quoique, enfin, j'aurais pu en faire. Parce que j'en ai deux. Un où je suis en Irlande, un où je suis au taf. Peut-être que je les foutrai ensemble et on sortira la vidéo quand j'aurai pas d'idée. Comment ça va? On a fait 3 concerts déjà, le Forum Boréal, l'Empreinte à Savigny-le-Temple et le Filset à Magny-les-Hongres. Merci à tout le monde qui est venu au concert. C'est une très belle début de tournée. C'est un très beau début de tournée plutôt. Ça commence très fort. Demain, on sera à Guyancourt et après on sera à Massy-Palaiseau, l'espace Paul B, à savoir l'espace Paul B, le parking de l'espace Paul B, c'est l'endroit où j'ai passé mon permis de conduire. Ah, t'es content de le savoir, je le sais. J'ai très hâte de continuer cette tournée. Là, c'est les 3 premières dates, Guyancourt et l'espace Paul B, ça sera dans une autre vidéo. Parce qu'à l'origine, je voulais faire les 5 dans une, mais je me suis dit ça va faire beaucoup trop long. Et c'est plus facile pour moi. À part ça, on a passé les 5000 sur cette chaîne. Oh putain merde. Déjà, merci beaucoup. Merci excessivement. J'ai décidé que ça se dira comme ça. Parce que jamais je pensais que j'arriverais à 5000 personnes sur cette chaîne. Et plus, parce qu'on a déjà bien dépassé le 5000. J'ai toujours pas préparé la suite la suite de la fin des vidéos parce que je pensais que j'allais avoir un peu plus de temps, mais comme quoi quand tu fais une vidéo où tu insultes un peu tout le monde, bah les gens ils viennent et en fait au final bah ils s'abonnent. Donc la fin de vidéo sera toujours la même pour l'instant. Laissez-moi un peu de temps, j'ai 2-3 idées. Je sais pas laquelle finira par être la bonne. On va voir, mais j'ai 2-3 idées pour l'instant. Une est bien plus intensive au niveau travaux manuels, c'est des effets spéciaux quoi. Les effets spéciaux. Bon, sur ce, Chronicles de Couchette, les 3 premières dates de la tournée Tenace. Merci à vous et on se voit bientôt. Bon, c'est le retour des Chronicles de Couchette. Je vais en faire un qui fait en fait les 5 dates qu'on va faire autour de Paris. Si t'entends quelque chose, c'est que c'est Yeti. C'est Molly qui va faire intéressante. Donc on va pas tarder à partir. J'ai mes affaires là aujourd'hui pour au moins. Mais avant de partir, Astrid m'a demandé de gentiment ranger la cuisine et nettoyer le frigo, donc je vais faire ça vite fait parce que je suis un esclave. Hop là, la Dacia. Oh voilà, attends, j'ai peut-être mon sac à dos aussi. Ah, je vais garder dans ma vie. La Dacia est chargée. Paraboréal. Tu la connais déjà? Ah oui, tiens, regarde. J'arrive pas à le faire avec ce téléphone, c'est de la merde. Voilà. C'est le genre de message que les gens ont sur ma voiture. Donc là t'as le forum et derrière c'est le nouveau forum. C'est pas trop la même. Donc nous on joue dans l'ancien, hein, y a pas de soucis. Mais bientôt ça sera ce gros truc derrière, hein. C'est impressionnant, hein. Oh, bah, le tome encore, hein. Le tome qui réagit pas là. On a un problème sur une ligne de patch qui doit être désymétrisé en fait. Voilà, utilise des termes techniques. Ah ouais. Je pense que les gens qui regardent cette chaîne ils comprennent désymétrisé. Bah quand c'est démétrisé, bah c'est pas cool. Voilà, tu es. Hey, les tweetos, quand c'est démétrisé, c'est pas cool. Retenez bien ça. Il a pris sa voix de daron là. On fait quoi là? Je suis parti.
Alors, oh, t'en as un beau casque. C'est livré pour les champs, c'est livré pour les champs. En fait, c'est juste un truc politique. Non, plus que ça, hein, mais... tout ça, c'est une zone privée. Ouais. Où, si vous venez en bus, en voiture, tout ça, vous garez là maintenant. Ça, c'est l'arrière, ça. C'est pas pour le public. Non, tout ça, c'est pour la logistique. Okay. C'est pour les tourbus. Là, on arrive sur le quai de déchargement. Le quai de déchargement. Les loges, ça permet... Ouais, ouais, ah ouais. Je fais vite, Thierry. Ah, c'est pas la même limonade. Elle est classe. Quasiment tout ça, mon travail. Quoi. Et donc, j'imagine que les accès derrière pour les fly et tout ça, vous avez. Ouais. En fait, l'idée, c'est pas d'escalier, j'imagine. Non, tout est de plein pied. Les deux scènes. Et en fait, l'une peut servir de. Comme c'est pas très grand derrière, on a fait en sorte qu'en fait, si par exemple, tu as un gros concert dans la grande salle, tu peux te servir du club comme support pour préparer, décharger et continuer à travailler. Parce que les praticables passent dans toutes les portes là. Ah ouais. Ça te permet de pratiquer par exemple un plateau. Ton plateau de batterie, si tu fais quatre groupes, tu peux le travailler dans le club, tu viens ici. Parce que le club, il est ouvert et fermable aussi par rapport à l'accès public. Et tu contiens combien de personnes? 850. Entre 800 et 850, parce que là-haut, en fait, là, t'as un parterre, c'est presque 600. Okay. Là, t'as 160 places assises dans les fauteuils. Et après, les balcons latéraux, au départ, c'est les assises, mais en fait, pour moi, au rez-de-chaussée, ça fait tout debout. Ouais. En fait, t'as les portes qui sont latérales, donc tu gênes pas. Au milieu, t'as les PMR. Et derrière, le deuxième étage, là, c'est pour les artistes, c'est pour vous, parce que ça communique avec les loges. D'accord. Donc, il y a une porte avec un code. Et ça permet d'inviter la prod, tout ça. Donc, pour vous, vous voulez voir la première partie ou voir d'autres groupes discrètement sans avoir descendre. Donc, toute cette zone-là. Et tout le reste, c'est privatisable. On ne sait pas encore exactement comment on va l'exploiter. Mais voilà. Et ça sera 850. Ouais. Non. Un petit YMCA, là pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Après, on retrouve un bar. Pour toi, public. Un bar, on est un seul qui communique avec le hall d'entrée. En fait, c'est une musique. 500. 500, tu vois. C'est juste derrière la porte, là. C'est déjà bien muté. Hein. Oui, mais il y a encore les fauteuils qui vont arriver. Qui vont mater. Ah ouais, bah ça va mater, ouais, c'est sûr. Véro était là depuis toujours. On va se mettre un peu dans la lumière parce que j'ai pas l'impression qu'on soit dans la lumière. Peut-être pas des lumières. T'appelles les técousses ? Approchez-vous encore. On vous en garde. Allez, silence pour entendre le clip. Donc on est à Boréal, au Forum de Boréal, pour la première date de la tournée Tenace. Et on va manger ce gâteau de la pochette de l'album qui va sortir, Tenace, fait par notre ami Bruno, le pâtissier de Reims. Bruno voilà. The pâtissier of the death. Et donc voilà, merci à vous, merci aux membres, merci Nico, merci vous, merci tout le monde. Et voilà, on va se goinfrer en pensant à vous. Pensant à vous. Bravo! Back with Live Surfer!
ça part mieux. Bon, jour 2, je suis dans la voiture. Pourquoi? Parce que Astrid, elle a oublié ses pains burgers et son fromage qu'elle doit prendre pour sa soirée. Donc moi, je dois faire l'escale. Enfin, j'ai dû faire l'escale avant d'aller à l'empreinte. Donc maintenant, on va à l'empreinte. Tu viens, hein? Voilà. Ça, la poubelle. Docteur, un jour je marierai un homme. Un nuage. Jimmy vous laisse faire payer en chauffeur poids lourd, ils ont pas voulu. Brisez la bite! Basket-X. Ouais, c'était pas un panier, ouais, ça. Hein. C'est une cible. Mais, moi, les cibles, problème, hein, je sais pas faire. Après, bar tabac, combien d'étoiles? T'es en train de chercher quelque part hein. Ouais, parce que le bar tabac, c'est beau, ça me fait un peu peur, quoi. Ouais, non, ça c'est parfait, ça. Parfait pour toi. Tu veux qu'on y aille? Non. Moi, j'y vais pas. On va se faire un petit rapido. Je suis chaud, amigo. Amigo. Un amigo. Les deux là. Une petite tomate, un petit amigo, une pinte, un amigo, ouais, non, une tomate, trois tirages, 15 euros. Allez hop. Fin sous. Cacahuète. On se prend, une petite boîte de café crème, on se la partage à trois. Et allez, et on sera, et là on sera pop comme des papes. Hop. Quand Thomas il parle, la vie est si simple. Avec une petite cacahuète là. Qui a bien raclé le cul là du tenancier. Et que t'auras bien mis longtemps avec tes mains là à choisir. Pas celle-ci, non, celle-ci. T'as un ramequin beaucoup trop petit là où t'es obligé de mettre ton gros doigt. Jour 3, Manilongre. On va, c'est à côté de Disney, donc c'est la salle, le fil 7. Vous avez des invités pour Disney, ce serait génial. C'est plutôt pas mal de faire des dates pas loin de chez soi. Alors hier soir, après l'empreinte, je suis rentré à la maison, quoi. C'est 15 minutes. Là, c'est 40 minutes. Oh, pouvoir dormir dans son lit après le concert, c'est quand même pas mal. Bon, je vais conduire, donc je vais arrêter de te parler, parce que on est sérieux et on fait bien les choses. Bisous. On va à l'endroit le plus magique sur Terre. Youpi, le Disney. Moi, j'ai jamais vu, c'est la première fois que je suis jamais venu. Ouais. Ouais, mais je me rappelle plus du catering que de la salle. Appelle du catering, parce que je pense qu'à bouffer. Bon, catering, là, il n'y a pas de place, là. Bah ouais, mais si tu pousses pas. Tu peux pas un gate à Yann?
Il serait temps que tu lui câbles un gay. Jimmy, tu me reconnais, j'étais dans la vidéo juste avant. Alors si tu peux liker la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Si tu peux me laisser un commentaire et me discuter avec moi, c'est encore plus cool. Mais si tu, surtout, regarde ce qu'on va faire. On est arrivé, regarde, c'est le chiffre actuel des abonnés de ma chaîne. Je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps. Mais regarde-le, il est beau, il est génial, super. Mais ce qu'on pourrait faire surtout, c'est regarde celui-ci. Celui-ci est encore plus grand, il est encore plus beau, il est plus musclé. Je le veux. Ah, essayons d'arriver ici. Ce que tu fais, invite tes copains à venir voir mes vidéos, partage-les sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut.